Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego, au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous, vous êtes bien installés, car d'ailleurs on est parti pour un nouveau mode libre sur Lego Harry Potter, année 5 à 7. Et on est... Alors je voulais revenir ici, car d'ailleurs j'ai oublié une petite zone, après avoir attaqué Poudlard et tous ses alentours, j'ai oublié ici une petite zone, mes amis, et oui. Donc, par contre, il me faut elle normalement. Si je me trompe pas, hein, normalement. Voilà, c'est ce que je pensais. Il me faut elle impérativement. Car, et voilà. Et j'ai tout ça à faire ici. Et j'en ai pas mal à faire. Hein. Je peux vous dire que ça peut, l'air de rien, jouer beaucoup de choses. Alors, la potion, la lune et l'étoile. Potion, lune, étoile et le petit chapeau pour finir, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça? Eh ben, on enchaîne tout de suite par Xenophilis, Xenoblood, je sais pas trop comment. Alors, Harry Potter, toi, non, toi, t'es bon. Par contre, alors, toi, j'ai peut-être pas choisi les bons personnages pour le début. Voilà, alors, Ron, il me faut ta petite loupiote. Loupiote? Loupiote, voilà, j'allais dire. Hop, par ici, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Car là-bas, on a notre petit Ron, tu peux monter? Ah, là 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 là. Il abuse, il veut pas sauter avec sa loupe, peut-être sérieux, c'est hallucinant. Loupiote, lumière, bougie, oui, moi j'ai loupiote quoi. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Boum, et voilà. Hey, comment on nous fait elle rigole bien quand même, hein. Attends, si... Ouh, ouh, que c'est beau tout ça. J'y m'y attendais pas. Et si je dois en faire du jeu fort? Eh, si toi, non. Attends, je vais refaire avec Ron. Avec Ron. D'accord, ok, ça marche pas. Bon, bah, c'est tout. Je vais voir un peu si ça pouvait nous faire quelque chose d'autre. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, alors là, ici, on a un petit coffre pour une petite brique dorée. J'ai en attendant un mion qui est en train de sourire. Bah, de rigoler surtout. Bon, bah ici, on a tout fait, hein. Il a l'air qu'on a tout fait, mes amis. Et bah, nous, on va aller continuer sur notre petite lancée. Ah, oui, quand même. Ah, y a pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y avait une brique rouge que j'avais pris. Et ben, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo, vous inquiétez pas. Pour j'avais trouvé pas mal de choses. D'accord, ok, on a quoi tout ça ici? Ah, j'ai quelque chose là. Là, je tiens le bon bout de quelque chose, je sais pas quoi, mais on va attendre beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce que ça va nous proposer? Eh ben, ça va être un personnage. Et il y a pas mal de personnages quand même ici. Waouh! Albert Runcorn. Bon, bah ça c'est fait. Une brique dorée, par hasard. Non, c'est pas par ici. Donc ça me dirait que ce soit de l'autre côté, ça m'étonnerait pas. Non. Bon, bah... On va remonter, on va voir un peu ce que ça nous propose. Ah bah tiens, le fantôme est là, on va pouvoir le voir pour lui demander. D'accord, ok, ah oui! 14 personnages, une brique dorée et un étudiant en danger. Bon bah, vous savez quoi, on va y aller par le début, comme j'ai déjà Bellatrix. Allez, vas-y, hop, on va y aller par étapes, tout doucement. Lucius Malfoy, et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à côté alors? Le fils alors? Ah non, désolé, Scabior, par contre, connaît pas lui. Inconnu au bataillon. Qu'est-ce qu'on a ici? Toto, ah bah tiens, justement, regardez, hop, encore un autre petit personnage. Il m'attendait que moi, hein. Xenophilus Lovegood. Ah bah tiens, et hop, encore un petit personnage. Ici, rien qu'avec Bellatrix et Lestrange, je suis déjà à 3. Hein. Ah, un Raffleur, ah ça c'est cool. D'accord, ok. Alors lui va venir m'embêter, sérieux. Et bah on va faire le quatrième, rien qu'avec. Yaxley. Connais pas. Tiens, il y a quelque chose là. Ah, j'ai tapé quelque chose. J'ai tapé quelque chose, mes amis. Ah. Attends.
Qu'est-ce qu'on a ici? Boum boum. Ah d'accord, ok, les vaches. Non, à mon avis, vous mettez des grenouilles. Ah bah voilà, ça me plaît. Alors c'est qui ça? Percy Weasley. Ah. Alors j'ai vu les vaches. Alors, on va voir un peu ce que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, je crois qu'il me faut de l'eau. De l'eau. Alors on va aller voir pour de l'eau. Directement, ouais, si. Une petite cinématique en même temps, ça fait toujours plaisir à voir. Ah bah justement, on voulait voir où il était le tueur, bah... Ça me convient, moi, ça me convient. Oh ouais. Là, attends, alors, à mon avis... En plus, fleur de la cour. Et c'est un personnage quand même que j'admire énormément. Qu'est-ce qu'on a ici? Non mais... voilà, ok. Non mais t'es sérieux? Allez, viens-moi. Viens-moi. Alors j'en ai deux là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah à mon avis c'est encore la flotte, hein, qu'on a encore besoin. La flotte... La flotte... Ouais, je déconne, hein, mais bon, voilà, quoi. Alors, hop là, ça c'est bon. Ah bah, tu vois, on va pouvoir un peu taper maintenant avec elle. Allez, casse. Et, oh, Reg Catermol. À connaît au bataillon. Je ne connais pas du tout, mes amis. Par contre, j'ai pas trouvé les vaches, hein. Je vois qu'il y en a deux. Ils sont où les autres vaches? Ah tiens, on en a une. Non mais vise quand même la vache. Ça m'en fait trois. Oh, il y a quelque chose ici. Ah d'accord, j'ai touché un arbre. Ah non, il y avait que trois vaches. Oh pardon, désolé. Il y avait que trois vaches. Bah ça va me donner quoi, un personnage alors normalement? Ouais, voilà la flèche blanche qui m'indique bien. On viendra après, hein, on va venir après pour le récupérer tranquillement. Ça m'en fait deux, et à mon avis... Le troisième, il doit être ici. Tu peux, voilà. Ah bah tiens, justement, c'est Ron en vêtements d'hiver. Ça m'aurait pas étonné qu'on aurait eu Ron en vêtements d'hiver quelque part, hein, quand même. Bon, alors ici, ça m'en fait déjà 11, hein. Hop là, voilà. Ça c'est bon, c'est fait, ça m'en fait 12. Et je vois encore les flèches qui sont à côté et... À mon avis, est-ce que la top par derrière? Non, bah non. Ça m'indique de l'autre côté, hein. Oh bah, hey, regardez, oh, j'en fais le 2 pour le prix d'un. Alors j'ai une brique vie, une brique dorée qui est là. James Potter, ouais, je vous ai... D'accord, ok. Ok, bon bah alors. Oh, c'est quoi ça? Oh, mes amis, je crois qu'on va faire du tir. On va faire un peu de tir, mes amis. Allez, vas-y. D'accord, ok. Est-ce que je peux aussi jouer comme ça? Ah, d'accord, ok. Non, mais t'es sérieux? J'en touche pas. D'accord, ok. Donc je vais essayer de voir pour y aller. Deux. Et le troisième, si je peux toucher, ça serait bien. Voilà, nickel. Il fallait juste le prendre au bon moment. Au bon... Et j'allais dire, il va me faire sauter de l'œil. Non, tu rigoles là. Mais non, c'est ma brique dorée, mes amis. Et bah voilà. 93e brique dorée. Oh. Et bah on se rapproche tout doucement de... De la moitié des briques dorées à récolter sur ce petit petite histoire Lego Harry Potter années 5 à 7. Hein. On va aller voir un peu notre fantôme, voir si c'est pas barré, pour savoir ce qu'il nous dit. 14 sur 14, nickel, impeccable. Alors on va aller voir un peu par ici. Eh, si je peux passer, ça m'arrangerait. Non, peut pas. C'est quoi le délire là? Ah, il veut pas. Oh.
Il ne veut pas que je passe. Bah allez, je repars par où, moi, alors? Ah, peut-être là. Bah non. Et là? Toi, non plus? Bah c'est lequel que je dois aller? Me dis pas que je suis obligé de repartir au début. Oh! Là, c'est abusé. C'est abusé. Ah, mais puis je me chope tout, hein. Bah non. C'est où que je dois repartir, sérieux? Ah, peut-être dans la tente? Bon. Allez, tout seul, C'est pas grave, elle se barre toute seule. Non, tu veux pas toi si je mets comme ça? Mais non, je veux pas ça. Bon bah tant pis, allez hop, on repart. Il s'est barré. Et bah nous, bah, mes amis, je pense que ça va être une bonne idée si on arrête, c'était là tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu avec le petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner avec pour avoir les notifications de sortie vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui va avec. Mais pour l'instant, moi je vais vous laisser entrer en compagnie du prochain gameplay. Et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye!